Selkirk, au Canada. Entre novembre et mars, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés, gelant la puissante rivière Rouge qui traverse cette petite ville tranquille. Mais le printemps est proche, et au lever du jour, alors que ses 10 000 habitants sont pour la plupart encore au lit, le chef d'équipe Brian Sparks et ses hommes n'ont que quelques jours pour sauver Selkirk du désastre. Il faut qu'on brise cette glace, puis on pourra rentrer. Il faut qu'on atteigne le kilomètre 11 aujourd'hui. La rivière Rouge est une exception en Amérique du Nord, car elle coule du sud vers le nord. Au sud, dans les montagnes, la fonte des neiges a commencé. Mais ici, au nord, la rivière est encore gelée. Et quand l'eau du dégel déferlera, la glace fera office de barrage et des torrents d'eau risquent d'inonder Selkirk. Ce ne serait pas la première fois. Pour sauver la ville de ce déluge imminent, l'équipe de Brian se sert de l'une des machines les plus étranges de la planète. Le brise-glace amphibie Amphibex AE-400. 11 mètres de longueur. Un bras de 6 mètres. Poids total, 22 tonnes. L'Amphibex peut briser de la glace d'un mètre d'épaisseur. Ce véhicule se manie exactement comme une pelleteuse classique. La différence, c'est qu'une pelleteuse ne bouge pas et qu'elle remplit son godet de matériaux. Alors qu'ici, c'est le godet qui nous hisse sur la glace depuis l'eau. Et une fois sorti de l'eau, le poids de la machine va briser la glace en dessous d'elle. Pour sauver la ville, l'équipe doit écraser plus de 800 mètres de rivière gelée par jour. Et le danger n'est jamais loin. Si l'Amphibex venait à chavirer et que son conducteur était coincé sous la glace, il mourrait de froid, et non par noyade. C'est dangereux, c'est clair et net. Si on n'est pas attentif à ce qui se passe autour de soi, ça peut vite virer à la catastrophe. Ma priorité, c'est de ne pas chavirer. Il est très important de placer les stabilisateurs aux bons endroits. Parce que si la glace se brise d'un côté, mais pas de l'autre, l'engin peut se renverser et on se retrouve à dire bonjour aux poissons. Doucement, mais sûrement. Récemment, en 2011, la rivière Rouge a débordé et ravagé la campagne environnante. Le temps est compté.